Alors comme je vous l'annonçais il y a quelques minutes également, bien nous allons être en direct avec les représentants du One World Classic Tour, première édition de la Ciotat. Et nous les avons donc en direct ce matin avec nous, en compagnie de Nemo. Bonjour. Bonjour Fred, bonjour à vous tous. La Ciotat Fréquence Nautique, partenaire cette année de cette première édition. On va faire le point dans quelques instants avec nos invités ce matin dans les studios. La One World Classic Tour. Alors pour nous en parler, tout d'abord, bien évidemment, c'est la personne qui accueille donc cette manifestation, qui est le président du Neptune Club de la Ciotat. Bonjour. Bonjour. Alors, One World Classic Tour, vous accueillez cette manifestation. Vous n'êtes pas l'organisateur, hein ? C'est effectivement une manifestation dont on s'est proposé de faire l'organisation, mais qui est une initiative au départ de l'AFF, qui est l'Association Française des Funboarders, qui a décidé de relancer ce format de course qui existait il y a quelques années et de créer un tour. Donc il va y avoir plusieurs étapes en France et le Neptune Club s'est proposé d'organiser l'étape en Méditerranée, qui est la première de l'année de ce nouveau format de course de windsurf. D'accord. Et donc auparavant, ça se passait à quel endroit ? Du côté de Biarritz, sur l'Atlantique, non ? C'est une course ce type de course n'a plus eu lieu depuis une vingtaine d'années. Ah, depuis 20 ans ? Voilà. Donc en fait, c'est un format qui est relancé. Et c'est une grande première et c'est la Ciotat qui organise la première étape de ce nouveau tour. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu la discipline ? Alors, la discipline, c'est du funboard. C'est de la planche à voile de vitesse. Ça fait partie des courses de slalom et de longue distance. On va, pendant une heure, en fait, virer deux bouées, faire des 8 autour de deux bouées, donc parcourir le plus grand nombre de tours possible. Donc la ligne de départ est ouverte pendant une heure, c'est ouvert aux professionnels et aux amateurs, et le vainqueur est celui qui aura fait le plus de tours. Ah d'accord, c'est aussi simple que ça. Donc le format est très simple, très compréhensible pour tous. Oui, oui. Et comme on a beaucoup de chance aujourd'hui à la Ciotat, il y a un beau vent d'est qui s'annonce. Oui, oulala, vous êtes gâtés du côté de la météo. Hein. Et le vent d'est va nous permettre en fait de mouiller un parcours qui sera parallèle à la plage. Mm-hmm. Et donc de toute la plage de la Ciotat, on pourra voir passer ces funboarders tout l'après-midi. D'accord, très bien. Alors, il y a combien de participants à peu près ? On attend une soixantaine de participants sur l'eau. Venus de quelle destination ? Venus d'un peu toute la France. Toute la France. Évidemment, essentiellement de la région, mais oui. C'est ouvert à l'ensemble des funboarders sur le plan national. D'accord. Puisqu'il y aura normalement une autre étape qui sera prévue sur l'Atlantique et une autre en mer du Nord. D'accord, donc Méditerranée, ça se passe donc exclusivement ce mois d'avril à la Ciotat. Voilà, c'est la première étape, elle est en Méditerranée, c'est la seule qui aura lieu sur la Méditerranée. Alors, monsieur le président du Neptune Club, donc, pour les auditeurs qui nous écoutent, cette manifestation est ouverte au public aussi ? C'est un spectacle quelque part ? Bien sûr, on espère que ça va être un très beau spectacle, donc tout le monde peut venir assister à ce spectacle. Comme je vous le disais, le parcours va permettre de la plage, du bord de mer, d'assister à la totalité de l'événement. D'accord. Bien. Vous avez, on va dire, donc un invité d'honneur ? Oui, pour cette manifestation, une très on va l'écouter chance, dans quelques instants. C'est d'avoir un parrain prestigieux qui a accepté de parrainer ce premier événement, qui est Thierry Fouché, qui est un navigateur chevronné et très célèbre, qui a gentiment accepté de venir parrainer cette course, parce que même si c'est pas son domaine de prédilection, la planche à voile, il sait à quel point il faut de l'engagement et c'est un amoureux de la mer. Voilà, pour se lancer dans le vent, les vagues et naviguer. C'est... Alors, est-ce que vous pouvez rappeler ou présenter à nos auditeurs, en quelques mots, à nos auditeurs et nos auditrices, donc un petit peu le parcours de Thierry Fouché ? Thierry Fouché, c'est un navigateur sur des formats beaucoup plus grands que la planche à voile. Hein. Il navigue sur de très gros bateaux. C'est le seul Français à avoir gagné la Coupe de l'América sur BMW Oracle. Et puis, je pense qu'il peut nous dire son activité actuelle, puisqu'il continue, bien sûr, à naviguer à travers le monde. Bien, alors, rappelez votre nom. Non, monsieur le président du Neptune Club, vous êtes monsieur ? Monsieur Duchamp-Doris. Duchamp-Doris, voilà, donc président du Neptune Club de la Ciotat qui accueille aujourd'hui et demain la One World Classic Tour. Bien, alors maintenant, donc, nous allons nous recevons donc ce matin le parrain donc, de cette manifestation qui a été donc, présenté par le président du Neptune Club, monsieur Thierry Fouché. Alors pourquoi ? Bonjour. Et quelle a été votre motivation pour être le parrain de cette première édition à la Ciotat ? La motivation est toute simple. Moi, je fais partie du Neptune Club, donc je suis un des adhérents. Ah, vous êtes d'accord. Oui, tout à fait. Donc je connais bien le site. C'est bien de le préciser, d'accord. Donc j'y passe souvent mes week-ends en famille, donc c'est vraiment un lieu privilégié pour moi. Et lorsque Jean-Michel et Stéphane Brosia m'ont sollicité pour être le parrain, j'ai répondu oui tout de suite parce que je connais le site, je connais la volonté du club de se mettre en avant, d'organiser des événements nautiques.
Et pour moi, ça correspond vraiment à une dynamique qui est mise en place par l'équipe du club. Et voilà, c'était pour moi une suite logique. Vous êtes originaire de quel endroit ? Je suis de Marseille. Ah, d'accord, oui, ouais. Donc vous êtes de la région. Je suis de Marseille, mais bien que je ne sois pas sous la souvent parce que mon activité professionnelle et sportive m'éloigne de Marseille, mais je suis basé à Marseille, ma famille est à Marseille. D'accord, ouais, donc vous avez une implication quelque part amicale auprès du Net Nucléaire. Alors quel est quand même votre avis sur ce genre de manifestation ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour moi, c'est le futur de ce que peut proposer les sports nautiques, la planche à voile en particulier, parce que souvent, quand le grand public essaye de s'intéresser, que ce soit à la voile ou à la planche à voile, c'est souvent, ils représentent ça comme des événements qui se passent très loin des côtes ou qui sont pas facilement appréciables, alors que là, le format de la One Hour Classic Cup est très simple, en fait. On arrive vraiment à amener les planches à voile près du public sur un format très très simple à comprendre. Les gens qui vont s'asseoir sur une terrasse sur la plage de la Ciotat ou qui vont venir visiter le club nautique du Neptune Club vont très vite comprendre, et le spectacle sera très près d'eux, en fait. Et c'est ça, à mon sens, qui fait et qui va faire le succès de ce format là parce que je pense que si les planches à voile ou les bateaux se continuent à naviguer très loin des côtes, c'est un futur qui n'est pas très positif pour eux. Alors que là, vraiment, on amène le spectacle près des gens et à mon avis, c'est la seule solution. Alors vous qui êtes donc un navigateur, un professionnel de la mer, comme on peut dire, est-ce que le funboard a encore la cote avec les nouvelles disciplines ? Là, je m'adresse même aux deux, avec les nouvelles disciplines comme le kitesurf et compagnie. Est-ce que le funboard, ça date des années 80 à peu près, hein ? Non, mais je pense que ça a toujours la côte, ouais. Et ça continuera, parce que c'est une discipline qui évolue, hein, les formats des régates comme on voit maintenant, les supports évoluent beaucoup, donc je pense que non, il y a un grand futur, et c'est vrai qu'on a pu penser à un moment donné que le kitesurf, donc c'est qui prend une place importante, mais je pense que les deux peuvent faire leur route côte à côte, et à mon sens, il n'y a vraiment pas de souci au niveau des planches à voile. Je pense que Jean-Michel répond mieux que moi là-dessus. Je crois qu'on est dans le domaine des sports de glisse. Oui. Et les sports de glisse ont éventuellement un avenir parce que nos jeunes aiment ça. Le funboard, c'est allier la voile traditionnelle avec la glisse. Et ça ne peut avoir que de l'avenir. Après, à nous, les clubs, d'attirer le public pour qu'ils viennent pratiquer au sein de nos installations, et à nous de mettre en place des courses de format accessible, et c'est le cas de cette One Hour. C'est vraiment pour que les amateurs puissent concourir avec des professionnels, pour qu'il puisse y avoir ce mélange qui permet à tout le monde de se confronter au meilleur. Et je crois que tant qu'on arrivera à développer des formats de courses de ce type, on arrivera à attirer un public important. J'ajoute que le funboard, en tout cas dans notre région et à La Ciotat, est vraiment en plein essor, qu'on a nous un club qui est très dynamique, avec un nombre de licenciés qui a cessé d'augmenter au cours de ces dernières années. Ah d'accord, et combien, vous êtes à combien ? Actuellement, on est à plus de 600 licenciés. Au Neptune Club. Ah, c'est énorme. On est au niveau français, en nombre de licenciés, le 9e club français. Ah oui, j'imagine, d'accord. Donc, le Neptune Club a un très grand nombre de licenciés et a comme discipline principale le funboard, et donc pèse de ce point de vue-là sur l'ensemble des activités nautiques. Donc le funboard a encore la cote, alors. Hein, le funboard a une très grosse cote. Il est mis à jour. Il est mis à jour régulièrement. Et c'est pas fini. Et 600 licenciés, c'est vrai, bon, on l'apprend ce matin, c'est clair que c'est un résultat assez important. Bien, avant de terminer avec le programme, on terminera donc avec le programme de cette manifestation. Monsieur Thierry Fouché, qu'est-ce que vous faites actuellement ? Bah écoutez, après avoir quitté l'équipe de BMW Oracle après la victoire en 2010, là j'ai rejoint une équipe aussi pour la Coupe America, qui est une équipe suédoise, Artemis Racing. Oui. Et on est basé pour l'instant à Valence, en Espagne, pour développer les nouveaux bateaux, les nouveaux catamarans avec des ailes rigides qui vont être le nouveau format pour la Coupe. On s'entraîne à Valence jusqu'à mi-juillet, fin juillet. Ensuite, on déménage tout le monde à San Francisco pour être sur place sur le site de la Coupe qui aura lieu en 2013, donc à l'été 2013, où on va pouvoir organiser les challengers et ensuite essayer de battre Oracle. D'accord. Pour la Coupe. D'accord. Donc un agenda assez chargé. Assez chargé, donc j'essaye de faire des allers-retours entre l'Espagne et la France pour voir la famille qui est restée pour l'instant à Marseille. Oui, c'est clair. Oui. Et puis venir me relaxer et prendre du bon temps au Neptune Club. Et entre-temps, donc, vous venez à La Ciotat. On vous voit souvent l'été, je suppose, non ? Plus au printemps et à l'automne, parce que l'été est assez chargé en termes de compétition. Donc je suis plutôt, j'imagine. D'accord. Voilà. D'accord. Eh bien, écoutez, très bien.
Monsieur le Président, on revient donc sur la programmation de cette manifestation. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 28 avril, premier jour donc de cette édition, de cette première édition. Alors, que va-t-il se passer? Il est 10h43. Alors, qu'est-ce que vous réservez donc comme spectacle pour ce premier jour de cette manifestation? Alors, le programme est assez simple. De 10h à midi, c'est l'inscription des coureurs. Donc, les coureurs sont en train d'arriver sur site. Il y a un briefing qui est prévu à 13h. La première manche va probablement être envoyée à 14h. C'est des manches d'une heure. On va essayer d'en faire au moins deux dans l'après-midi, peut-être trois si le vent est avec nous. Donc il y aura des planchistes sur l'eau, on va dire de 14h à 17h, 18h. À 18h, il y a un apéritif pour que tout le monde se refasse une petite santé. Oui. Et puis demain, la course redémarre. Demain, c'est le grand jour, en fait, dimanche. Voilà. Et demain, ça va redémarrer à 10h du matin. Donc il y aura des manches le matin et l'après-midi, pour une remise des prix prévue vers 17h. D'accord. Est-ce qu'il y a des moments forts sur lesquels donc vous insistez à ce que nos auditeurs puissent donc venir participer, regarder le spectacle? Est-ce qu'il y a des moments forts durant ces deux jours à ne pas rater? Donc c'est clair, c'est des manches d'une heure. Donc quand on commence à voir des planchistes sur l'eau, on sait qu'ils sont là pendant au moins une heure. D'accord. Quoi qu'il arrive, puisque que ce soit le vainqueur ou le dernier, tout le monde va naviguer une heure. D'accord. Donc il y aura plusieurs manches. Donc on a dans la journée plusieurs fois une heure de compétition. Donc ça sera très visuel. Il y aura très peu d'espace entre chaque manche, parce que pour pouvoir en faire beaucoup, il ne faut pas laisser beaucoup de temps aux coureurs. Oui. Pour se reposer. Donc pour les spectateurs, ça veut dire que tout l'après-midi aujourd'hui et pratiquement toute la journée demain, il y aura du spectacle. Alors c'est un vent d'est, sud-est, force 5 à peu près aujourd'hui. Oui. Hein, voilà, donc est-ce que ça facilite la manifestation? Est-ce que ça la complique? Alors c'est un bon vent d'un point de vue visuel, parce que comme je vous le disais, ça va permettre de mouiller un parcours parallèle à pour la le plage. Spectacle, donc pour le spectacle, mm-hmm. C'est super. Pour le plan d'eau, ça complique un peu les choses pour les planchistes, parce que par vent d'est, la mer se creuse un peu plus, mais ça fera aussi un peu plus de spectacle parce que il sera plus difficile de garder la planche à plat. Et puis, ce vent est annoncé comme étant très régulier cet après-midi et assez fort. Mm-hmm. Donc on espère qu'on va pouvoir faire suffisamment de manches compte tenu des conditions annoncées. Bon, écoutez, très bien, dans tous les cas, donc apparemment, les conditions météo correspondent à ce genre, enfin, au spectacle. Tout s'annonce bien. Tout s'annonce très bien, donc rendez-vous aujourd'hui et demain. La manifestation, bien évidemment, on l'a compris, est ouverte au public. Il y a du spectacle actuellement, donc durant ces deux jours à La Ciotat. Ça se passe donc au Neptune Club, sur l'avenue de Saint-Jean, on le rappelle bien. La One Hour Classic Tour, c'est donc la première édition et ça se déroule donc jusqu'à demain soir. Merci à vous deux. Merci, et à très bientôt. Beaucoup. Bon vent. Enfin. Les 28 et 29 avril, le One Hour Classic Tour s'arrête à La Ciotat. Vous êtes un windsurfer averti? Alors venez participer à cette compétition de slalom d'une heure sur l'eau où vous pourrez vous mesurer au pro et vous faire prendre en photo lors de vos jibes devant le Neptune Club, avenue de Saint-Jean, à La Ciotat. Présence de Thierry Fouchier, seul Français vainqueur de l'America's Cup en 2010 et parrain de cette édition. Plusieurs manches organisées sur deux jours, dans la bonne humeur et dans l'esprit des sports de glisse. Renseignements au 06 60 50 69 53 et inscription sur le site www.neptuneclub-laciota.com.